J'ai eu peur de la nuit, peur des formes qui s'invitaient dans les ombres du soir, qui dansaient dans les plis des rideaux, sur le papier peint d'une chambre à coucher. Elles se sont évanouies avec le temps, mais il me suffit de me souvenir de mon enfance pour les voir réapparaître, terribles et menaçantes. Un proverbe chinois dit qu'un homme courtois ne marche pas sur l'ombre de son voisin. Je l'ignorais le jour où je suis arrivé dans cette nouvelle école. Mon enfance était là, dans cette cour de récréation. Je voulais la chasser, devenir adulte. Elle me collait à la peau dans ce corps étroit et trop petit à mon goût. Chapitre 1. Je me sens différente, murmura-t-elle. Personne ne prêtait attention à ces mots. Tandis que les matrones s'agitaient autour d'elle, celle-ci arrangeant un voile, celle-là une tresse, cette autre un ruban, alors que la mercière raccourcissait son jupon et que la veuve de l'arpenteur lui enfilait des chaussons brodés, la jeune fille immobile avait l'impression de devenir un objet. Un objet passionnant, certes, assez affriolant pour mobiliser la vigilance des voisines, un simple objet cependant. Les proies. 1. C'était ça, exactement ça. Les escarpins Prada repérés dans le Vogue du mois dernier. La note discrète, décisive, qui achèverait l'ensemble. Avec la robe qu'elle imaginait, un petit truc noir qu'elle avait acheté 3 fois rien rue du Dragon. Ce serait parfait. Tout simplement, dégaine. Sourire. Jeanne Korova s'étira derrière son bureau. Elle avait enfin trouvé sa tenue pour le soir, à la fois dans la forme, mais aussi dans l'esprit. Elle vérifia encore une fois son portable. Pas de message. Une pointe d'angoisse lui crispa l'estomac, plus aiguë, plus profonde encore que les précédentes. Pourquoi n'appelait-il pas? Il était plus de 16 heures. N'était-il pas déjà trop tard pour confirmer un dîner?